Alors, bonjour, après l'Athénée de la Gombe, où le président sortant, Joseph Kabila, a voté en compagnie d'Emmanuel Ramazani Shadary. Nous avons suivi également le vote de certaines personnalités, mais également des Congolais qui viennent remplir leur devoir civique à l'Athénée de la Gombe. Nous sommes maintenant à Delvaux, dans la commune de Ngaliema, Delvaux. On est à Lalou, Tepe Lubaki, dans un bureau de vote qui a ouvert à 6 heures. Mais ici, les Congolais, les Kinois de ce coin de la capitale se plaignent de la lenteur constatée dans les machines à voter. Et donc, il semble qu'il y a eu un petit problème technique qui a causé d'énormes soucis. Exactement. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous appelez? Je réponds au nom de Tchèque Changa. Vous habitez le coin? Oui, oui, j'habite. Vous êtes un électeur? Oui, j'ai voté ce matin. Vous avez votre carte d'électeur? Oui, j'ai ma carte. Vous avez voté ici? J'ai voté ici. Vous avez voté à quelle heure? Nous avons commencé à 9h30. Donc le bureau a ouvert à 9h30. Parce que j'étais là depuis 7h du matin. Alors que la Seigneur parlait de 6h? Bon, c'est ce qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 9h30? Jusqu'à présent, il n'y a pas de raison. D'abord, c'est comme si c'est à cause de la pluie. Mais d'abord, pour retrouver mon nom sur la liste, j'ai souffert. Mon nom est affiché de l'autre côté. Je devais passer ici pour venir voter. Okay. Et ici, on doit appeler chacun par son nom pour voter. Okay. Si vous voyez de l'autre côté, c'est vraiment un fiasco total. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur le nombre de personnes qui ont déjà voté depuis jusque maintenant? Non. Je n'ai pas d'idée. Moi-même, j'avais voté. Une centaine déjà, 100 personnes? Non. On ne peut pas arriver à 100. Depuis le matin, déjà c'est impossible. Impossible d'arriver à 100. Et vous pensez que jusqu'au soir, on arrivera à combien? C'est ça ma crainte. Il y a beaucoup de gens et avec la lire où vont les choses, peut-être les agents de la CENI auront un sérieux problème avec les électeurs. Est-ce que ce n'est pas un désordre des Kinois? Parce qu'on sait par moment comment ça se passe. On ne vient pas, tout le monde veut passer en premier, on ne respecte pas l'ordre d'arrivée, c'est pas ça? Non. Les électeurs sont arrivés bien avant. C'est le président du centre qui est arrivé à 7h30. Il est d'abord arrivé vraiment en retard. Et puis, le temps d'installer les machines, c'est comme s'ils ne maîtrisaient même pas l'installation des machines. Alors, nous avons seulement constaté qu'il y a un désordre total ici. Ici, hein? Oui, oui. Alors qu'à la Gombe, dans d'autres endroits, ça se passe quand même. Mais j'aimerais quand même qu'on voit un peu. Et donc là, ce sont des gens qui se bousculent pour aller voter. Pour aller voter, si vous voyez là-bas. Tout le monde se bouscule. Les policiers ici ont souffert le matin pour contenir le monde. Il y avait les fils de sécurité ici. Ça ne va pas. Le papa ici, j'étais avec lui depuis le matin. On va continuer. On va essayer de voir certaines personnes, ceux qui sont ici. Je voudrais parler à une femme, madame, bonjour. Madame Bonne-Beauté. Osa observateur. Témoin et candidat. Oui. Oya qui a osa libanda ponani parce que ceux qui baso voté témoin za kana kati osa libanda ponani. Na libanda ponani na kati se bibele ke so mama na zoni boy don moya ko to ke zate on a té libanda don désordre ma classe. Manani baso cha désordre. Quand batuba sa sécurité veut ba kota batu en ordre donc ba kota batu té on batuba comme osa désordre. Tu vois situation au kosuka ndenge yo moni boni. Pour l'ordre et zonga, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour l'ordre et zonga, donc faut pas zoba tunyo sur baza ba zonga ici ba on va 5 000 euros pour ton compte après ton voter moi manque ton compte matin si pourquoi? Depuis oyaki heure? N'ayez qui depuis 6h. Ma voter déjà? Non, donc ndambu kaka biso ba témoigner ton voter si tu comme comment compte ça va te casse. Bureau faut ramener 9h45. Ndengo moneli ba on va voter déjà. Ils ont voté mais calmement. Oui. Ma tubaza a problème ma machine à voter. Non. Vous avez mes athées. Mais d'autre côté là, ma tubaza a problème ma machine à boire et c'est normal. Ah, machine est fonctionne normalement. Oui, normal. Okay. D'accord. On est à Lalou, donc à vous qui nous suivez de partout à travers le monde, en Afrique, la RDC, moment historique. Des élections en République démocratique du Congo, il va falloir faire le choix, se choisir un président de la République, des députés nationaux, mais également des députés provinciaux. On suit toutes ces opérations de vote aujourd'hui. Alors là,
je pourrais essayer de me faufiler dans la foule. Je vais demander. Maman. Maman Boni. Mote maman. Olembi maman. Est-ce que ceux qui vont salir mon longo vont refoter? Mazami Sato, président, député provincial, député national. Maman, yo voté pour Nani. On a voté, parce que c'est le Kimi. Tout le monde a Kimi, tout le monde a Kimi dans la boc. Parce qu'on est à passe, nous on s'en a passe. Un mot, on vote, on a voté, 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 on a voté. Merci beaucoup. On va suivre. Je vais laisser quand même. On va chercher. Qui d'autre voudrait bien parler? Bonjour. Bonjour. On a voté. Non, je ne choisis pas de figure, excusez-moi. Je ne pensais pas que vous vouliez parler, excusez-moi. Bonjour. Ouais, on est vraiment content, puisque la journée, c'était aujourd'hui. Nous sommes vraiment à la fête, puisque nous fêtons, nous allons choisir notre président. C'est une journée de fête? Oui, c'est, pour le Congo, c'est une grande joie. Parce qu'on a vu déjà la pluie le matin, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi vous voulez voter? Je sais, tout le monde cherche un changement. Je ne peux pas dire tout, puisque c'est une discrétion pour moi. Bonjour. 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 Madame, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors, moi, je fais un live Facebook. Ok. Je vous vois aussi à la télé. Vous participez à plusieurs émissions. Oui, c'est vrai. On a juste une question. Ça va représenter quoi l'acte que vous allez poser aujourd'hui? Moi-même, je suis candidate d'Engalima, numéro 56. Donc, je viens là pour me voter. Et en tout cas, c'est vraiment un événement historique pour nous. En fait, on va voter et j'espère que je vais gagner. Donc, voter pour moi, numéro 56. Tout se passe normalement? Bon, il y a un peu de désordre parce que ce n'est pas bien organisé. Mais à part ça, les autres centres, comme elle, elle a déjà voté. Donc ça s'est bien passé dans les calmes. En tout cas, c'est rapide aussi. Merci. Allez, voilà. Merci beaucoup. Et de toute façon, ce n'est pas terminé. Après Delvaux, nous irons à Kingasani, à Lemba, à Limete. Et merci à vous tous qui nous suivez. Restez branchés sur cette page Facebook, sur ma page Facebook, pour avoir plus d'informations. Et sur le www.actu30.info. Merci.